Française, français, bonjour. L'heure est grave, il est temps de s'entraîner. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que comme moi, vous avez mal aux jambes de votre test PMA hier. Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que hier, vous n'ayez pas assez mis la patate. Ceci dit, je n'ai pas fait des exploits non plus. Mais bon, il y a d'autres explications, mais je n'aime pas me trouver des excuses. Donc, aujourd'hui, on va faire une séance de force juste après la séance d'intensité hier. Ça, c'est une bonne habitude à prendre car quand vous voulez travailler sur des efforts en endurance, il est important au niveau musculaire et au niveau neuromusculaire, c'est-à-dire au niveau des sensations de l'effort, le lendemain de séance intensive, de faire des séances de force. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une séance qui va vous rappeler fortement des choses qu'on a déjà fait. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous rappelle que ceci n'est pas un plan d'entraînement. Ce sont des séances prises complètement séparément, un peu comme une démonstration. Pour pouvoir faire un plan d'entraînement, il faudrait que je vous connaisse, que je connaisse vos objectifs, votre niveau et vos indicateurs de performance globale et aussi pendant les séances. Ce n'est pas le cas, je ne peux pas le faire. Donc, c'est à vous de prendre la responsabilité de ces séances-là, de les adapter à votre niveau de forme et niveau d'effort. Ça va les amis? Vous avez compris l'avertissement? On croirait le gouvernement français qui se protège, qui met des parapluies, des bretelles et des ceintures. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, on va attaquer la séance tout de suite. Tout ça pour vous dire de vous faire plaisir, de découvrir. Très certainement, dans les jours qui viennent, je vais proposer des variantes encore qui ne sont pas forcément hyper cohérentes, c'est ce que je voulais dire, d'accord, sur le plan de la continuité entre les séances. Okay, mais ne vous enflammez pas, l'idée c'est de vous faire découvrir l'home trainer, de vous aider à passer un bon moment pendant le confinement et peut-être même de vous convertir aux joies de ce superbe sport. Bon, honnêtement, après l'hiver, j'avais envie de jeter mon home trainer par le quatrième étage tellement j'en avais marre. Et si je ne faisais pas ces séances en live avec vous, je crois que j'aurais arrêté de m'entraîner. Alors, merci beaucoup les amis. On est parti pour une séance de force plus squat. Aujourd'hui, on va se faire chauffer les cuisses. Aïe, putain, j'ai encore mal. Yes. Alors, vous avez peut-être remarqué pour les plus pertinents que j'ai tourné mon vélo. Et oui, parce que pour vous, c'était pratique de voir mes braquets. Mais en fait, vous ne le voyez pas tant que ça. Moi, par contre, j'ai la fenêtre en face. Et franchement, c'est quand même vachement plus agréable pour moi. Parce que je pétais de chaud. Alors, on est parti pour nos petites 10 minutes d'échauffement. Pénaros, tranquillos. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. C'est pas grave. Un petit écouteur pour que vous m'entendez bien. Parce qu'après, vous dites, oh, Nico, on ne t'entend pas, tout ça. Bon. Alors, vous êtes 230. Vous savez qu'hier, on a battu le record. On est passé au-dessus de 300. Ça, c'est top. Je sais qu'il y en a qui sont venus exprès. Est-ce que c'est bon? Connected. Je sais qu'il y en a qui sont venus exprès se connecter. Et après, ils sont repartis au boulot. Juste pour qu'on passe par les 300. Donc, c'est cool. Je vous remercie. Alors, je vais être en contact avec vous, mes amis, dans un instant. Alors, salut Olivier. Qui passe. Salut Sergio. Salut Laurent. Ah, mon ami Mathieu Lenouette est de retour dans la place. Yes, salut mon Nico. Ah, salut Yo, ça va? Il faut que je t'appelle Yo. On discute. Salut les amis, heureux de partager ce moment avec vous, moi aussi. Attends, je crois que ça serait peut-être plus sympa si je faisais ça. Voilà.
Buenos días, señor Nicolas. Salut, José. Allez, on mouline. 90, 100 tours par minute, tranquille. La fréquence cardiaque va monter doucement. Ok, l'idée c'est de se chauffer pendant quelques minutes. On est parti. Salut Thierry, le Poitou. Salut Bruno, salut Fabrice. Salut les télétravail. Salut Angelo. Ah, tu vas faire le CP5 hier. Ah, ouais. C'est bien. Salut Manuel. Info. Qui me prête. Eh oui, on va dire bonjour à tout le monde pendant l'échauffement. C'est ça, les gars. Si vous voulez, vous posez, pouvez poser vos questions. La séance de ouf, bien réussi. Bon, mais que c'est cool. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. Salut Nièvre. Hier, Cyril m'a recadré parce que j'ai oublié de prendre ma ration de récupération. C'est une grosse erreur. Et donc, hier matin, j'étais pas bien. Vers 11h, là, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai eu du mal à récupérer. D'accord ? Alors, Christian qui a mis le débardeur pour bander. Ah, c'est cool. Merci pour vos plus j'aime, les gars, c'est génial. Le cycloclub d'Airbus Hélicoptère est là. Yes. Normal que je n'arrive pas à travailler au cardio. Ça veut dire quoi, j'arrive pas à travailler au cardio? Salut Tom. Machine. Le club des pompiers de Namur. Putain, mais oh, on est à fond sur les pompiers. Merci les gars. C'est vous les héros. D'accord, pas plus de 3 minutes la force. Oui, chef. Quels sont les jours de live? Du lundi au vendredi, mon chéri. Le samedi et le dimanche, on se repose. Allez, 4 minutes. Enfin, aujourd'hui, je pédale, j'ai des jambes. Voilà. Salut mon Eric de la Belgique. Salut les Landais, avec Christophe. Allez. Salut Olivier, et le 78 avec les Yvelines. Du lundi au vendredi à 10h, c'est ça le live. Allez, vous êtes prêts? On descend deux, trois petites dents et on se met en danseuse souple. On essaie de tourner bien rond. Pour certains, ça vous paraît ultra facile, mais pour d'autres, je sais, vous me le dites. C'est un vrai challenge d'arriver à tourner rond parce que vous voyez, ils font ça. Oh, j'arrive pas à tourner rond. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une assez bonne maîtrise au niveau du gainage, au niveau du pousser tiré. Ça veut dire que quand vous êtes en danseuse, vous ne faites que pousser comme des abrutis là. Et là, vous perdez énormément en rendement. Alors, on essaie de pédaler souple. Allez. Bon, si c'est trop dur, vous pouvez vous arrêter, d'accord? C'est pas grave. Faites-le bien. Mais faites-le, voilà, même si c'est que 30 secondes. Je suis bien relâché le haut du corps, vous voyez. Les poignets, les épaules sont souples. Et je maîtrise la poussée, la tirée. D'accord? C'est très important. Allez, on se rassoit. On remonte deux, trois dents. Et on repédale souple. Voilà. Le cœur est un petit peu monté. En danseur, c'est normal. Très bien. Et on continue à échauffer. Voilà, toujours bien souple. Ah. Vous vous souvenez, on travaille aussi les épaules. Je soulève les épaules, je baisse les épaules, d'accord? Je soulève, je baisse. Je soulève, je baisse. D'accord? Ça sert surtout quand on est en position aéro. Mais si vous êtes sur les cocottes, c'est pareil, d'accord? Si vous êtes relevé et resserrer les épaules, d'accord? Et j'écarte les épaules. Là, je suis moins aérodynamique que quand je les soulève, mais tout en étant relâché,
Coucou mon dos. La patate, j'ai mal aux jambes quand même, hein. Je ne sais pas vous, mais. J'espère que vous avez la patate, vous. D'accord? C'est important. Pensez à boire régulièrement. Vous vous souvenez, de l'eau avec des électrolytes pour récupérer de la transpiration. Oh, Ulrich, il bosse. C'est pas grave, tu le feras en ripé, mon Ulrich. Allez, on baisse de 3 et allez, on est reparti en danseuse. Ok. Allez, relâchez. J'essaie de faire une danseuse qui me permet de récupérer. Mais je dois maîtriser mes jambes, d'accord? Ça ne part pas dans tous les sens. Tout en étant relâché. Voilà, tout ce qui ne travaille pas doit être relâché. Yes, je m'assois. Allez, on remouline. Voilà, à chaque fois, je descends une dent de plus. D'accord? Donc, ça chauffe un petit peu plus. Voilà. Allez, souple. Ça commence à chauffer. On est pas mal. Les watts augmentent. Attendez bien. Hein? Salut Alice! Allez. On mouline. Allez, hop, je baisse dedans, une petite coup de danseuse encore. C'est mieux dans ce sens d'entrer. Ben, je me suis tourné parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai le banc de dos comme ça, donc je préfère. Que bon, ça va quoi. Tous les jours, banc dur. Hein? Voilà. Je vous dis une chose qui me semble importante dans cette période de confinement, donc j'ai fait un peu moins. Hein. D'accord? C'est de vous entraîner par plaisir et pas par obligation. La plupart de nos objectifs sont repoussés au mois de septembre. Octobre, quand ils ne sont pas annulés. Donc, il me semble hyper important de détendre un peu la pression et de vous entraîner par plaisir et pas par obligation. Est-ce que le programme 6 semaines est uniquement sur home trainer? Il est fait pour home trainer. Donc, les séances sont faites par home trainer. D'accord? Alors, je vois qu'il y a des questions là. 60 ans, mon premier CP5, résultat de 195 watts, 96 RPM, 165 pulses. J'ai un entraîneur de VTT, petit développement. Nico, qu'en penses-tu? Ça me semble pas mal. Tu pèses combien, mon cher Patrick? Être très à l'aise en danseuse dans les jambes, quand les jambes brûlent, ça ne montre pas un déficit de force dans les jambes. Non, si tes jambes brûlent, normalement, ça devrait juste montrer que tu as le CP5 d'hier dans les jambes. Coucou, mon coach préféré. Voilà, Jean-Marc. Voilà, un mec qui sait me parler. Vous voyez? En réduit, danseuse, tu réduis ta fréquence de pédalage. Oui, forcément, danseuse, on réduit un peu sa fréquence de pédalage, mais on peut s'entraîner à maintenir quand même une bonne fréquence. Vous voyez, je peux voir que je suis à l'aise aux alentours de 70, mais là, je peux m'entraîner, vous voyez, je monte à 85, 90 RPM, tout en étant relâché, en tournant bien rond. Ça, c'est un exercice, d'accord? Je vais le faire pour après avoir une danseuse relâchée. Voilà, mais après, hop, je vais me mettre, voilà, moi, je suis bien à cette fréquence-là, à peu près, vous voyez, 70, 75. Je suis à 75. Voilà, là, je sais que je suis bien. Parce que j'ai travaillé. OK? Toujours pareil. Plus on peut avoir de la vélocité, salut mon Benji. Plus on peut avoir de la vélocité, plus on économise ses muscles.
Ok. Voilà. Et vous êtes prêts? On boit un coup. Allez, on est parti. On descend du vélo. Patch, patch. On descend du vélo. Et on fait les squats. Les mains devant. Je ne descends pas les fesses. Je recule les fesses en arrière. De manière à ce que mes genoux ne dépassent pas mes orteils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais attention de ne pas casser mon dos comme ça. D'accord? Ça, je me massacre. 8, 9, 10. Vous pouvez vous arrêter là. 11, 12, 13. Le dos bien droit. Les fesses en arrière. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, je baisse un peu son claquet, lui, parce qu'il parle fort. Allez, je remonte et je vais me mettre en danseuse. D'accord? J'ai mis une petite minute. Voilà. Ok, je mets tout à droite. S'il faut, je durcis un peu mon entraîneur pour être. Voilà. Hein? Alors, les watts, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les RPM. OK. Une cadence de pédalage entre 40 et 50 tours par minute. OK. Et une fréquence cardiaque qui reste en dessous de 80% la FC max. Autrement dit, je dois être en aisance respiratoire. OK. Mon premier, c'est P5 avec un capteur 300 watts, 178 pulses. 64 kg, 105 RPM. Donc déjà, ce qu'on peut dire, Nico, 105 RPM de moyenne pour 300 watts, bah, c'est une bonne fréquence de performance. Tu pourrais peut-être faire mieux en mettant moins, mais tu tiendrais sur le CP5, mais pas plus tard. OK? Donc ça, c'est pas mal. Après, 300 watts pour 64 kg, ça me semble être un rapport très intéressant. Je n'ai pas le tableau sous les yeux, mais c'est un rapport intéressant. Ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir après évoluer. Voilà, quand on est à 5 watts par kilo, ça fait un petit un niveau de deuxième KT à peu près sur une trainer. D'accord? Autant en côte, vous auriez fait mieux. Sur le plat, vous auriez fait mieux à l'extérieur, mais sur une trainer, ça fait un petit niveau deuxième catégorie, 5 watts par kilo. D'accord? Voilà, c'est pas mal. Ce qui est plus important, c'est de voir après l'évolution, les gars. D'accord? Parce que en valeur absolue, la valeur absolue, si vous voulez, du capteur de puissance, bah, on ne la sait pas. Parce que selon les capteurs, ça surévalue un peu, ça sous-évalue. Et le but, ce n'est pas vraiment de savoir qui a la plus grosse. OK? C'est de voir l'évolution de votre puissance. Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez conscience que ce n'est pas la peine d'essayer d'être champion du monde dans tous les indicateurs. Votre puissance sur une minute, votre puissance sur 5 minutes, sur 20 minutes ou sur une heure. Non, il faut que ce soit en adéquation avec vos objectifs. D'accord? Ah, je me fais un petit 30 secondes. Hein, toujours pareil, c'est un bon coup de pédale sur tout le cycle de pédalage. C'est ça qui compte. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez augmenter la dureté de vos entraîneurs, OK? De manière à ne jamais dépasser les 80% de votre FC max, c'est-à-dire d'être en aisance respiratoire et de garder entre 40 et 50 tours pédales par minute. All right. OK. Allez, on met tout à gauche, vélocité. On vient de travailler la force, là. Il faut quand même qu'on ne perde pas notre vélocité. Donc, on passe à 110 tours pédales par minute. D'accord? 110, 120. 110, c'est bien. Si vous pouvez être à 120, là, je suis à 120, vous voyez? Voilà. On garde sa souplesse. OK? Sans sauter, on sent que la cheville est relâchée. C'est important. OK, les bras sont relâchés. Donc. Voilà. Je suis tombé à 115, mais ça va. J'y suis bon. OK.
Vous êtes prêts? On va sauter du vélo. Top! Hop! Hop! On est parti pour les squats. Je descends, je recule les fesses en arrière. Mes genoux ne dépassent jamais la ligne de mes orteils. Le dos bien droit. 1, 2, j'essaie de contrôler en descendant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je ne me laisse pas tomber. Hop. Non, je contrôle. 12, 13. À la limite, je suis explosif à la remontée. 14. Je pourrais faire un peu plus lent. Allez. 15. Un peu plus lent. 16. Un peu plus lent. 17. 18. 19. Et 20. Allez, on ouvre la porte. On augmente le ventilo. Hop. On est toujours à peu près à une minute. C'est parfait. D'accord. Alors, excellente question de Patrice qui me dit, vu que j'ai une grosse progression à faire, je continue à faire 6 séances d'une heure par jour ou je rajoute un jour de repos. Honnêtement, le repos, c'est important, quoi. Le repos, c'est ce qui va vous permettre à votre corps de reconstruire la fibre musculaire, de se recharger et d'être plus performant les autres séances. Donc, si vous êtes vraiment jeune et très entraîné 6 jours sur 7, pourquoi pas? Si vous êtes moins jeune et très entraîné 5 jours, c'est très bien. Alors, c'est mieux d'espacer les 2 jours de repos que de faire le week-end comme je fais moi. Et là, c'est à titre de démonstration, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc, voilà. OK? Et si vous reprenez le sport dans cette période de confinement, un jour sur deux, c'est bien. Il y en a un qui me dit quoi? Quand tu parles de catégorie, c'est FFC ou IFOLEP. On s'en bat les couilles, les mecs. D'accord? Ça va, aujourd'hui, les niveaux varient selon les régions, mais faut savoir que la plupart des coureurs FFC, vu qu'ils manquent de courses, viennent courir en IFOLEP. Donc, honnêtement, un premier catégorie IFOLEP, un bon premier catégorie IFOLEP, va être bon à FFC. D'accord? Alors, si vous arrivez à suivre, c'est bon. Qu'est-ce que je fais là? Je fais n'importe quoi. Allez, force! Vous me faites parler, bande de trucs. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'est pas là pour se stresser, les amis. Allez, travail de force. On est parti, 3 minutes en force. 40 à 50 rotations par minute. Fréquence cardiaque, aisance respiratoire, moins de 80% d'AFC max. Si à 80% vous êtes essoufflé, vous descendez à 75-70%. OK? Salut Maïsa, Duclos, la coach, remise en forme. OK? Allez, moi je me mets en position chrono parce que c'est ce que je travaille. Je suis à 44 tours par minute. OK? 170 watts, c'est léger. Je pourrais durcir un peu mon home trainer. D'accord? D'autant que je suis à 100 pulses, je pourrais être à 120. Donc là, je devrais durcir un peu. Mais je préfère vous parler. Donc, je continue à garder cette force-là. D'accord? Alors, certains doutent que je mette vraiment les watts que j'annonce puisque je suis capable de parler. Je vais vous dire, d'abord, je m'en fous. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'importe, c'est de vous faire une séance. Et puis, je pense que mes séances vont sur Strava, c'est en automatique. Moi, je ne suis pas du tout fan, mais bon, vous pouvez aller consulter. D'accord? Il n'y a aucun problème. Je vous dis la vérité. Je fais le mieux que je peux. Voilà, peut-être que je pourrais faire un peu plus fort. C'est clair. C'est un peu chaud, là. Bois un canon. Ouais, moi aussi, Ida. Bain froid après la séance, OK ou pas OK? Ultra OK, bien sûr. C'est très, très bon. Vous allez stimuler votre organisme
avec le froid, il va mieux récupérer. Allez, on saute du vélo. On est parti. 20 squats. On descend lentement. 1, 2, plus lentement. 3, je retiens la descente. D'accord ? C'est ce genre de travail qui fait que quand je pédale rond. Parce que j'ai une maîtrise de tout le cycle de pédalage. En danseuse, pareil. D'accord ? C'est parce que je retiens. On appelle ça les efforts excentriques. D'accord ? C'est-à-dire que je force mon quadriceps quand il est en train de s'étirer. Je retiens. OK ? Voilà. Allez. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Voilà. Allez, hop. On attaque tout de suite. On reprend sur la force. C'est pas grave. On ne se stresse pas, les amis. Yeah. Regardez cette danseuse chaloupée version féline. Voilà, ok. Alors, on fait une danseuse, d'accord, là, en force, c'est pas grave. Hein, et on fait le travail où je dois être tellement relâché que je suis capable, hein, d'accord, de la faire en tenant que sur une main. Et vous voyez que même la main que je garde, je suis relâché. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis gainé et au niveau des jambes, je contrôle mes efforts. Ok, c'est pas juste je pousse comme un bourrin. Allez, je me pose. Et hop, à vous aimer, à la danse à chaloupée, je vous en refais une. Alors ça, c'est pour séduire ma chérie. Vous savez, quand on a 50 ans, elle est plus jeune que moi, il faut essayer d'être sexy quand on fait du vélo. Allez, hop, on se pose. Et là, je suis allongé. Je me prends pour Marc Allen à Hawaï. J'enroule mon bras casse. 58-11. Là, je suis pipeau, là. Vous pouvez le dire. Hein? 58 ans, c'est du pipeau. Voilà. On a 52-12, c'est déjà pas mal. Féline, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui trouvent que je ne suis pas assez féline. Voyez, voilà, c'est pas la peine de forcer comme un bursias. Alors après, vous pouvez augmenter la dureté, évidemment, hein, comme je l'ai dit. Mais déjà, appliquez-vous à faire le bon geste. Voilà, je suis dans la bonne position, là, je suis placé. Mes jambes, elles tournent bien. Pas mal, elle est bien celle-là. Tu parles de Fabio Fellini, de la Trek. Pas mal. Non, c'est vrai. Non, j'aime bien l'humour. Allez, go! On y va. Pousse, tire. Vraiment, j'applique un effort sur tout le cycle de pédalage. Vous voyez, dans ma tête, je suis vraiment dans une qualité technique exceptionnelle. J'ai le vent de face qui file devant moi. Vous voyez, je suis hyper aérodynamique. Voilà, ok. Ouais, il faut un peu se la jouer dans la tête parce que le entraîneur est tellement chiant et dur qu'il faut quand même avoir un peu des films, des images. Allez hop, je saute du vélo. Bing, bam. J'ai oublié, je reviens dessus. Hop, j'ai oublié la vélocité. Hop, alors, hop, tout à gauche. Tac, 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 tac. On monte tout à gauche. Allez, 120 tours par minute. On est parti. Allez, allez les amis, on y va. Combien de filles présentes aujourd'hui? Alors, il y a Nicolas là qui pose la question, pas moi, un autre Nicolas. Il y a des mecs qui veulent draguer. Ils ont pris ça pour un rendez-vous de, vous savez, un site de rencontre. Allez filles, on se manifeste. Vous êtes les meilleurs.
Vous êtes notre source d'information, d'inspiration. Chantal, par moi. Salut Chantal, salut Cathy. Ah, Christiane aussi. Eh ouais. Ouais, je pense que la position féline en a excité plus d'un. Pour ça que Zwift, c'est bien pendant cette période. Ça permet de se mettre un peu la tête ailleurs. Ouais, ok. Alors, t'es gentil, hein? Salut Anne, salut Jeanne. Zwift, bon. Zwift, tu leur parleras de la meilleure cyclo. Allez, go. On soit du vélo. Bam, bam. Squat. Watch. Deux. On se calme, Nico, à la descente. Trois. Pouf. Explosif à la remontée. 4, 5, 6. Ah, on le sent le CP5 là. Vous avez mal aux jambes, hein? C'est bien. 8, 9, 10. C'est à peu près le nombre de filles qu'il y a aujourd'hui sur la séance. C'est chouette. 10 sur 250. Vous avez vu la proportion, quoi. On n'est même pas. On est à 5%, c'est quand même pas mal. Allez, encore. 1, 2, 3, 4, je descends doucement. 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on reste en bas, 10, 2, 3, 4, 5, on sort sur le vélo, allez go, hop, je l'ai pas, voilà. Allez, force, tout à droite les irés, allez, on y va, ouais, allez go. Allez, vous voulez une petite danseuse féline? Les spécialistes reconnaîtront Kenny Souza dans les années 90. Voilà. La maîtresse de Marc Allen. Et ouais. Allez, on est parti. 3 minutes. Non, vous êtes deux. Non, vous n'êtes pas deux, les filles. Non, vous êtes au moins 10. Peut-être même 11 ou 12. Ce qui veut dire qu'on est bien à 5%. Allez, 3 minutes de force. Ouh. Yes. Hein, vous vous souvenez, la cheville, je la relâche bien de manière à bien lever mon talon dans la phase de traction. Pousser, traction. Pousser, traction. Pousser, traction. Voilà, je relâche ma cheville. Je vais prendre ce programme en cours de route, sachant que j'ai récupéré mon entraîneur seulement maintenant. Ben, bien sûr. Bien, ce n'est pas un programme, Ludo. Je le redis, ce n'est pas un programme d'entraînement. Un programme, il y a une cohérence entre les séances. Là, ce n'est pas le cas. Pour qu'il y ait une cohérence, il faudrait qu'on ait défini ensemble un plan spécifique à vos objectifs, qu'on fasse du court, du long, de la montée ou du plat. Ce n'est pas les mêmes entraînements. Spécifique à votre niveau, à vous. Et donc, il y aura une cohérence. Je ne peux pas faire ça. Voilà, on ne va pas se la raconter. Je ne peux pas le faire. Là, je fais des démonstrations de séances pour que vous passiez un bon confinement. Pour moi, là, le meilleur entraînement qu'il y a à faire pendant le confinement, compte tenu que tous les objectifs de juin, mai-juin, sont reportés, voire même juillet, eh bien, c'est de ne pas s'entraîner par obligation, mais par plaisir. Donc là, on se fait plaisir, on varie les plaisirs, on se maintient en forme, quoi. Génial. Christophe me dit, mon fils apprend à compter en comptant tes squats. Putain, mais ça, c'est, voilà, c'est la mission de ma vie. Vous voyez, permettre à des enfants de se développer et de grandir avec leur papa grâce à mes conneries. Voilà, j'ai réussi ma vie. J'ai racolé sur la page le fond du vélo. Ah ouais, super Christiane, au top. Voilà, quelqu'un qui sait faire de la promotion. Allez, on essuie un peu la valve. D'accord, on boit un coup et on passe
à la vélocité. Donc, je le rappelle, le travail en contraste force-vélocité avec squat. Le but, c'est également de vous faire prendre de la force, qui est une qualité essentielle dans le vélo. D'accord ? Mais aussi, là, c'est de ne pas perdre votre souplesse de pédalage, votre fréquence de pédalage. Et aussi, ce travail de contraste de force-vélocité permet d'avoir une meilleure perception de l'effort. Prévois un programme fin de confinement pour préparer l'étape du tour. C'est fait, Vincent. Ça s'appelle le programme Grand Fondo. En 12 semaines plus 4 semaines, si tu veux. Et avec capteur de puissance, évidemment, quand on veut faire un travail qualitatif. Merci, Elios. Bisous. Je fais un bisou à Elios qui apprend à compter grâce à mes conneries. Allez, Elios, t'es prêt? On est parti sur une séance de comptage pour mon ami, mon chéri Elios. Quel âge il a, Elios? Allez. 1, 2, doucement. 3, 4, allez, 5, allez, 6, 7. Souvenez-vous, les fesses vont en arrière. 8, je reste le dos bien droit. 9, mes genoux ne dépassent jamais les orteils. 10, 11, 12, ça commence à tirer. 13, alors plus je suis fort, d'accord, moins je suis fort, plus j'écarte. Ok, ce qui est un avantage pour les cyclistes, c'est quand on écarte, on travaille les adducteurs, les muscles qu'on a besoin de renforcer quand on fait du vélo, notamment pour la vélocité. D'accord ? Et quand on est costaud, plus on serre. Ok ? Mais on descend bien en arrière. Ok ? Vous êtes bon ? Allez, le dernier. On reste. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! On est parti. Travail de force. Je vais vous expliquer pourquoi je reste assis comme ça. Alors, hop, en force. Tout à droite. Voilà, 40, 50 RPM. Aisance respiratoire. Les watts, on s'en fout. Ok? Donc, le travail de chaise contre mur ou sans mur, il a 5 ans, mon titou. C'est l'âge de mon fils. Elios, je t'adore. Voilà. Alors, tu vois, on fait les devoirs avec papa. C'est quand même sympa. Qu'est-ce qu'il racontait comme connerie? La chaise, oui. Donc, c'est un excellent travail. Évidemment, à ne pas faire en excès parce que ça ne servirait plus à rien. Le meilleur des entraînements, si on fait toujours le même, ne sert plus à rien, il n'y a plus d'adaptation, d'accord ? Mais la chaise est excellente pour justement travailler cette perception neuromusculaire de la force, de l'effort, du coup de pédale, ok ? En fin de séance, quand vous faites des sorties de 3, 4, 5 heures et plus, vous avez mal aux jambes, mais les bons cyclistes, les anciens cyclistes, ils ont une perception de l'effort qui est différente et ils vont mieux tenir, ok ? Et donc, ça, c'est tout à fait important. Bruno Desjardins, ah, j'ai cru Jean Dujardin. On a vu une star avec nous, les gars. Le rêve. Ok. Allez. Une pédale. All right. Allez. On se met en position. Salut à savoir. Salut ma Nino. Nino. Nino, elle a 9 ans. Elle regarde son papa faire les séances. Et elle dit que c'est rigolo. Nino, je t'embrasse. Tu es un petit peu plus jeune que ma fille. Tu as 10 ans. Hein? Mais bon, c'est le bonheur ça. Voilà, un garçon de 4 ans et demi, une fille de 10 ans, c'est le bonheur. Je les aime. Moi aussi, je t'adore. Tu es trop mignon.
Eh bien, c'est cool. Voilà, super. Vous voyez, dans ce monde de brut actuellement, un peu d'amour, ça fait du bien. Allez, encore une minute de force. Si vous êtes sage, je vous refais une danseuse féline. Ça, c'est pour maman, hein, Ninon et Elios. Il faut dire à maman qu'elle vienne voir la danseuse féline de papa. OK? Papa, c'est pas moi. Hein. Je n'étais pas mon fils caché, mais c'est papa qui va faire la danseuse féline. Bien sûr. Hein? Allez, force, on s'applique, les gars. On déconne, mais on s'applique. Allez, go, c'est parti. Féline, je dandine des hanches. Exprès. Voyez, ça s'appelle la mobilité du bassin. Voilà, OK. Allez, vas-y, chérie. Vas-y, chérie, c'est bon. Vas-y, chérie, c'est bon, bon, bon. Vas-y. Et en même temps, vous voyez que vous accompagnez bien les genoux, un peu comme si vous vouliez mettre un coup de genou dans le guidon, d'accord? Allez, j'y vais. Bam! Bam! Ça, c'est pour ceux qui aiment la féminité, mais un peu violente quand même. OK. Allez, vélocité. Tout à gauche. On est parti. Allez, 110 tours par minute. Minimum. OK? Allez. La prépa en moi est compromise. Paul, il faut garder le moral. La prépa en moi, elle n'est pas compromise. Non, 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 non. Continue à t'entraîner, mais avec plaisir, pas obligation. D'accord? Tu vas sortir du confinement en super forme. Peut-être tu auras travaillé des qualités spécifiques qui te serviront après. Tu auras faim, tu pourras danser. D'accord? Pour la danse féline, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Bon, ben, c'est pas grave. Maintenant, je suis bien chaud, je vais pouvoir enchaîner avec 30 minutes de renforcement abdos et lombaires. Ouais, c'est une bonne idée de... D'ailleurs, on fait un petit renforcement abdos-lombaires. On est pas mal. Allez, 110. On est parti dans 5 secondes. Dernière série de squats. C'est ça. 3 minutes force, 1 minute de vélocité plus squat. Right. Allez, on y va. Doucement. 1, 2, 3, 4. Allez, on descend doucement, on retient. On retient avec les muscles, hein, on ne retient pas le caca qui va sortir. D'accord? Ça ressemble un peu. Allez, 7. Oh oui. 8. J'ai vu hier un sketch de billard. Ça me fait penser à ça, quoi. Allez, oh, attention, quand on se met en position comme ça, le caca il va sortir. Oh, c'est billard, quoi. Allez, ça va. Allez, je ne sais plus à combien je suis. 10. All right. 11. 12. 13. 14. 15. Allez, plus que 5. 16. Ouais, on est bon. Allez. Ça, c'est du bon muscle de rouleur, ça, hein? D'accord? 18, 19, et 20. On reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, vous êtes des champions. Travaille en force maintenant. On remonte. Oh my God, that's amazing. Oh yes, it's very amazing. Nicholas, oh, you are a star. Allez mon chéri, une petite danseuse là, une petite danseuse zouk, hein, pour nos amis des Antilles là. On fait une petite danseuse zouk. Hein? Vas-y Frankie, c'est bon. Une petite danseuse pour se relancer, parce que je suis trop... Voilà, hein. Oh mon Dieu, que c'est difficile. Il va falloir travailler comme ça, hein? Tous les jours. Mon Dieu, allez, on y va.
Ouh. J'adore cette famille avec les gosses. Allez, on est parti. Donc là, il n'y a pas de retour au calme sur une séance comme ça. Le cœur n'est pas monté. On n'a pas fait de déchets. On a fait du travail technique. Et on a cassé la fibre musculaire. Donc, il n'y a pas besoin de faire un gros retour au calme. Bon, le retour au calme, ça sera, on fera une ou deux minutes de vélocité. Ça ira très bien. OK ? Allez, force. 40-50 pédales par minute. Voilà. On y est. Aisance respiratoire. J'enroule. On est passé à 190, 200 watts de puissance, vous voyez. Donc pour moi, ce n'est pas très fort. Mais par contre, j'essaie d'être relâché, concentré dans mon coup de pédale. Alors, bon, pour hier, le CP5, donc je le dis maintenant, ok, j'ai amélioré de 5 watts. C'est ridicule. Mais c'est déjà une amélioration. Sachant que je ne cherche pas à me trouver des excuses, mais je vous donne une explication qui peut vous servir. Forcément, pendant l'échauffement, moi, je n'étais pas 100% dedans. Je vous parle, d'accord? Pendant les 30 minutes, d'habitude, je me mets dans ma bulle pour pouvoir me concentrer sur l'effort et la douleur. D'accord? Donc là, très clairement, je ne l'ai pas fait comme il faut. Et résultat, eh bien oui, peut-être que j'ai perdu 10-15 watts pendant le CP5. Ça, c'est sûr. OK? Voilà, après, je vais analyser au niveau du petit déjeuner. J'avais des choses qui me restaient un peu sur l'estomac. Donc, peut-être que j'ai fait des choses un peu différentes pour tester. Donc, je sais qu'il va falloir que j'améliore. D'accord? Voilà. Allez, petite vélocité. Retour au calme. D'accord, c'est la fin, les amis. Si vous avez quelques questions, sinon on se fait la bise. On se dit à demain, les amis. Demain. Alors, une séance un peu différente demain. D'accord, c'est pas une séance d'endurance à haute intensité par des salles de sprint. On l'a fait deux fois, vous savez ce que c'est. Demain, on va faire une séance pré-lactique. On va se voir, c'est une séance très, très, très intéressante avec, pareil, des accélérations. Mais ça change un petit peu. Mon capteur de puissance vient d'arriver à Sumadour. Yes. Côté une petite pluie en sortant de l'exercice sur la récup. Oui, c'est pas mal, Franck. C'est ce que préconise mon ami Cyril. Quand vous êtes loin du bureau, etc. Moi, c'est ce que je vous conseille en ration de récupération. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Après, si vous pouvez faire des choses naturelles, moi, je préfère. Salut Patrice. Bonne journée à tous. Salut Rod. Ah, les boîtes de Venise. Ah là là, il y en a de la chance. Salut coach. Salut Ludo. Est-ce qu'il existe une grille de référence pour voir son poids puissance pour calculer sa PMA? Il existe des grilles de référence en fonction de ton rapport poids puissance pour donner à peu près ton niveau, à peu près. J'ai fait mon CP5 à jeun. À mon avis, ce n'est pas la meilleure idée, mais bon, ça peut marcher aussi, il n'y a pas de fatigue digestive. Super cette séance. Merci JP. Bonne journée. Salut Cathy, bisous. Merci Maldir. Peux-tu conserver votre entrée de voir les bons indicateurs? Un grand merci, tu es le meilleur. Merci Chantal, à ce soir. Et oui, à ce soir pour les clients, nous avons un coaching privé en téléconférence. Vivement demain. Merci Vincent. Merci Mickaël. Bonne journée Jeanne. Bonne journée à toi Fred. Merci Eric. T'as la frite. Merci Monio. Merci Bruno. Au top. À demain Sergio. Très bonne séance. Merci. Bonne séance à tous. Voilà, je tourne un peu les jambes, ça fait du bien. Plus de sang encore, super. Allez, bonne journée les amis. Salut David. T'as trouvé un entraîneur, David?
Allez, ciao Laurent, salut Fabrice, salut à demain. Ça y est, c'est bon. Ça croque, c'est bon. Mariette Tuchot. Allez, salut les amis. C'est fini pour aujourd'hui, à demain.